Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment ajouter une activité de type GeoGebra dans un cours. Tout d'abord, vous devez être dans un cours. Ensuite, cliquez sur la roue d'entrée. Vous devez être en mode édition, ce qui est le cas ici car on a quitté le mode édition. Une fois que c'est fait, cliquez sur la phrase Ajouter une activité ou une ressource qui se trouve à la fin de chacune des sections. Ensuite, cherchez GeoGebra. Si vous ne le voyez pas, c'est que votre administrateur ne l'a pas encore activé. Mais sachez que c'est un outil externe et il est possible de l'ajouter. Donc, vous cliquez sur Ajouter. Ensuite, vous pouvez lui donner un nom. C'est ce que l'étudiant voit, donc ce serait intéressant que ce soit un nom significatif pour lui. Ensuite, vous pouvez donner une description. Si vous voulez qu'elle s'affiche en même temps que l'exercice, vous cochez ici si vous ne la cochez pas. Vous pouvez donner une disponibilité, un contenu. Dans le contenu, on a soit le fichier local que vous avez créé avec GeoGebra ou soit l'URL externe si vous êtes abonné à un GeoGebra InfoNuagique. Vous ajoutez l'adresse ici. Vous pouvez changer la langue pour français. Et une fois que vous aurez toutes vos informations, l'activité sera prête. Vous pouvez ajouter des points ou simplement le mettre aucun. Si c'est une évaluation formative, je vous recommande de le faire illimité pour que l'étudiant le fasse autant de fois qu'il le veut. La méthode d'évaluation, il y a plusieurs critères. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Ensuite, apparence, on a ici des largeurs standards. On peut garder ces mêmes largeurs et on a les paramètres habituels. Et ensuite, vous cliquez sur Enregistrer et afficher. Voilà, votre activité GeoGebra est créée.